Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test incroyable, battle, habilité, tout ce que vous voulez. Et je vous ai lu, je vous ai vu, je vous ai approuvé et surtout, je vous ai compris. Et on va tester évidemment les dragons que beaucoup d'entre vous voulaient que je teste. Alors on va les tester même si je vous dis, je ne suis pas du tout en accord avec ce genre d'ajout dans le jeu. Parce que je vous ai dit, je suis réactionnaire. Non, c'est juste que j'aime pas plus que ça, commencer à mettre des bestioles qui n'existent pas à côté de bestioles qui existent. Je trouve pas ça ouf, mais bon. On va quand même les tester pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, il y a lui, le Novayana, et il y a, tais-toi, il y a l'Office. On va tester l'Office en premier, parce que tout simplement, j'ai déjà joué avec, et je sais que niveau gameplay, c'est peut-être pas le meilleur des deux. On va prendre celui-là, parce qu'il est très lent. Mais quand je vous dis très lent, c'est vraiment très lent, c'est à la limite du injouable tellement il est lent. Donc, je vais prendre Speed Plus, et on va tout faire ensemble pour rajouter de la Speed. Alors, le bon Office, il est là. Alors là, vous voyez, hein, niveau speed, déjà, ça va pas très vite. Hein, là, je suis en course. Niveau stam, c'est la catastrophe. Donc, c'est pas terrible, terrible. Oh, là, lui, non, tout, mais pas lui. Il va me casser la jambe, il va me fumer. Dégage. Ah, merci, frérot. Vas-y, rends pas fou. Hein. Je suis pote. Alors, on va faire les cris. J'ai pas envie qu'il m'attaque. Alors, le cri d'appel. Ah, il est quand même beau, le cri d'appel. Le cri gentil. Ok. Le cri méchant. Ok. Le cri de secours. Je veux pas d'embrouille. Lâche-moi, toi. Bah, du coup, c'est un dragon aquatique. Il nage quand même vraiment pas mal. En comparaison à sa vitesse de marche. Ensuite, il a une attaque, on le voit, poison. Hein, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je suis ici. On va aller là, hein, et après on pourra enfin tester toutes les habilités de ce machin, voir si c'est un bon truc, pas un bon truc. Ok, alors on a choisi toutes les habilités, alors il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a au niveau de la tête, il y a 3 attaques. Il y a le Shattering Lunge. Shattering Lunge. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait un saut hors de l'eau qui casse la jambe du dinosaure que vous attaquez. Donc c'est quand même très intéressant. Il y a une Venom Bite, c'est une attaque tout simplement avec du poison. Et il y a aussi... Petit coquin. C'est juste une morsure qui cause un peu plus de dommages visiblement que la Venom Bite. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a caché, je pense que c'est une mauvaise traduction. J'ai juste choisi là le bleu parce que ça augmente la vitesse de natation et le radius, mais j'ai un peu moins de défense. Et ensuite, au niveau de la queue, il y a 2 habilités. Il y a soit le paddle, ce qui permet de nager plus vite et d'avoir un meilleur turning radius et d'avoir plus d'oxygène, soit une attaque avec la queue tout simplement. Alors pour l'instant, je choisis ça, mais après je changerai. Juste pour voir s'il y a vraiment une différence au niveau vitesse. Avec ça et ça. C'est juste pour voir, je confirme. Et on y va. Go ce pétard. Est-ce que je vais vraiment nager plus vite? Ah oui. Ah oui, non, je nage hyper vite. Ah non, mais c'est un truc de fou. Et on va directement tester l'attaque sur lui. On va voir un peu ce que ça donne. Quoi? Ça a rien cassé du tout. Ça a rien fait! Quoi cette attaque de merde? Bon, j'aime pas mal l'attaque, par contre, ça serait bien si elle fonctionnait. Hein, on serait plus content. Alors, on va tester quoi? What? Il y a grabuge ici là. Ouais, mais le truc, c'est quand il y a du monde comme ça, en fait, il y a tout le monde qui nous attaque après. Lui là. Ouf! One shot! Ah, j'aime pas mal. What? Calmez-vous! Calmez-vous! Oh toi! Et ouais, t'es pas fait pour être dans l'eau toi! Voilà ça! Par contre, je me dis un truc, c'est qu'il faut faire très attention à l'attaque où je sors de l'eau, parce qu'il va très très loin hors de l'eau. Et vu que je suis très lent sur la terre ferme, ça peut clairement dégénérer. Hein. Par contre, dans l'eau, il est super agréable, il va vraiment vite. Là, ça se voit. Il fait des demi-tours, mais laisse tomber. C'est un délire. Il veut quoi le suco là? Tu veux quoi le suco? What? Oh, je l'ai démonté. Mais non, mais tu me veux quoi toi? Lâchez-moi! Mais pourquoi il y a tout le monde qui m'attaque? Je comprends pas pourquoi il y a tout le monde qui attaque quand on attaque. Qui m'attaque là? Mais qu'est-ce qu'il fout dans l'eau lui? Casse-toi! Ouais, je l'ai...
J'ai pété la jambe. Mais il va me tuer. Mais c'est une blague. Et c'est une blague. J'y retourne, hein, direct. Directement. Je comprends vraiment pas ce que tu fais dans l'eau, mon pote. L'eau, c'est mon territoire. Mais pourquoi il m'attaque? C'est mon frère. Mais par contre, ouais, par contre, niveau défense, j'ai que dalle, hein. C'est un truc de fou, quoi. Ah, mais j'ai la jambe cassée, là. Et d'où j'ai la jambe cassée? Bon, je vais tester avec le rouge, avec un peu plus de défense et moins de vitesse, du coup. On va voir ce que ça donne. Hein. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression de mourir très vite. Mais là, j'ai plus de vie du tout, donc je pense que la meilleure solution, ça va être de se faire assassiner par quelqu'un. Ouais, je nage quand même. Je nage quand même vachement moins vite. Hein. Directement, y a une sacrée différence. Mais bon, c'est pas grave, on va aller se battre contre lui. En vrai, c'est fort ce truc, hein. Cette attaque là. Ah ouais, je l'ai tout shot, hein. Ouais, non, c'est quand même hyper fort. C'est un truc de ouf. Et y a pas le cadavre. Ok. Par contre, ça crame toute la stam, du coup. Quand après on est sur terre, on n'a plus rien pour bouger. Et en plus que je suis très lent, c'est quand même pas fameux. Mais on va se le faire, les frérots. Lui là. Vas-y, tu sautes dessus, après je saute dessus, ok. Je pense qu'il nous a vu. Hein. Nous a vu, gros. Oh, il a fracassé. Après, il lui met des coups de queue, hein. Paf. Pas moi. Ouais, je pense que le coup de queue est quand même important. On va changer les trucs, on va faire habilité. Ça, je mets rapide. Et là, je vais mettre le coup de queue. Parce que c'est vrai qu'après, quand on fuit pour retourner dans l'eau, faut quand même pouvoir se défendre par derrière, ça peut être intéressant. Il a l'air très fort, il a l'air de mettre des très gros dégâts avec son attaque où il sort de l'eau. Il met du poison aussi, donc c'est vraiment pas mal. En revanche, voilà, c'est toujours le même problème, j'ai l'impression de me répéter vidéo après vidéo dans ce jeu. Trop lent. Tous les dinosaures sont trop lents. Il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a relevé dans les commentaires. Ça fait comme une espèce de jeu où t'as l'impression que tous les dinosaures sont drogués, quoi. Parce que les dinosaures ne prenaient pas de la drogue. Ou alors, c'est peut-être une autre possibilité pour expliquer leur disparition. Ah, c'est encore lui, là? Qui est dans l'eau, là? Eh, mais toi, mon gros, toi, t'es embêtant, hein. T'es très embêtant. Ouais, je t'ai fracassé, mon pote. Voilà, bah tu dégages. Tu dégages, mon pote. Par contre, l'attaque est vraiment belle. Elle est vraiment stylée, l'attaque. Quand même, les modeurs, ils font un taf. Ça c'est clair. En comparaison à la croquante, il y a quand même rien à dire. Il est quand même très beau. Franchement, c'est très très propre. Hein. Très très propre. Mais bon, c'est pas un truc qui existe pour de vrai. Donc bon, au bout d'un moment. Lui, j'aimerais bien, là. Le Metria, là. C'est Metria, ça, non? Metria, Cerato, c'est quoi? J'arrive pas à voir. Dustplay. Oh, salut toi. Ah, lui aussi, hein. Lui, je les déteste, là. Allez, Spino, tu finis le taf. Voilà, ça. Fumez-le. C'est pas toi le Spino que je voulais attaquer, hein. Oh, pas fou. C'est pas toi. Je te jure, c'est pas toi. Je te jure, gros, je voulais pas t'attaquer. Bah, fracassé en vrai. Hein. Je t'ai dit, je t'ai attaqué, j'ai pas fait exprès, gros. Misclic. Ça peut arriver quand même. Ah, il commence à me saouler, lui, hein. Allez, lâche-moi. Lâche-moi, gros. Ok. Attends, je t'ai pété la patte, tu me lâches. Tu me lâches. Bon, je l'ai fracassé en vrai. Moi, je suis avec toi, le truc là. Vous me frappez pas. Yeah, GG frérot. GG. Je suis avec toi, gros. Ouais, du coup, je disais.
Enfin, je crois que je disais. Je me mets dans la peau un petit peu d'un gameplay RP. Ça peut être vraiment pas mal. On atteint hors de l'eau. Non, on atteint dans l'eau. Et paf, l'attaque qui surgit. Ça peut être vraiment pas mal. Là, c'est vrai que sur un serveur comme ça, c'est un peu le bordel. Hein. Est-ce que je peux l'atteindre hein? Pas du tout. Ah, mais lui, il m'a cassé les. Bon, en vrai, vous savez quoi? Celui-là, on le fera dans la prochaine vidéo parce que ben, l'office, il m'a quand même pas mal plu, mine de rien. Alors, oui, il est très lent. Il a un système de gameplay qui est quand même assez intéressant. Surtout, j'imagine, pour jouer un peu plus sérieusement et RP. Parce que là, sur ce serveur, enfin, vous l'avez bien vu, Simple Y. Et l'office a l'air très sympa. Prochaine fois, ben, on fera celui-là. Hein, on testera un peu, voir ce qu'il donne. Voilà, il est content, il est d'accord. Et si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, un petit commentaire, voilà, pour avoir vos retours sur l'office. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, vous savez, c'est tout le monde.